Salut les petits poulets! Bon, on est samedi? On va peut-être reprendre les tutos quand même. Avec Gérard, hein, comme d'habitude. Et Gérard, il est occupé, là, il répare encore ses conneries. Faut dire que ça avance pas vite en même temps. Pas grave, hein, nous, pendant ce temps-là, on fait de la dirt. Hein. De la dirt! Du coup, justement, la dirt, on va parler de ça aujourd'hui un petit peu. C'est tout à l'heure, j'étais en train de rouler et... Ah, ça manque un petit peu de fignolage de réglage carbu, hein. Bon, bah ça tombe bien, on va s'attaquer au tuto. Puisqu'aujourd'hui, dans les samedis tutos, on va voir comment faire un réglage carbu aux petits oignons. Bon bah le carbu, je suppose que tout le monde sait ce que c'est, hein, ça se cache là-dessous, là. Donc bah on démonte. Voilà. Ah. Twinner ! Placement de produit. Alors pour faire un bon réglage carbu, déjà on va commencer par le nettoyer, parce que souvent dans la cuve, là, on retrouve pas mal de merde. Voilà. Bon bah voilà, c'est démonté. Alors quand je dis qu'il y a souvent de la merde dans le carbu, souvent c'est là que ça se trouve. Et celle-là, tu peux y aller, c'est pas du trucage, hein, c'est... Tu peux y aller, c'est de la vraie. Donc bah bien évidemment, on nettoie, hein. On va pas laisser de la merde là-dedans. Hein. Bon bah voilà, c'est tout propre. Maintenant, on peut passer au réglage aux petits oignons. Alors pour faire un réglage aux petits oignons, faut un peu plus de matériel, donc viens, je t'emmène faire un tour dans ma camping. Bah oui, la camping, monseigneur, hein. Alors du coup, on prend son carbu, et puis bah bien évidemment, des petits oignons. On met ça là. Pour une préparation carache, faut mettre les gaz. Bon bah pendant ce temps-là, hein. On va pas se laisser abattre, hein. Les petits oignons. On notera pour un bon mijoté. Toujours apporter sa petite touche personnelle à sa préparation. Niglo, Niglo, qui veut du Niglo? Ça sent la bonne pitance dans la camping, hein. Bon, on devrait pas être mal. On en prend une belle bousée. Et on dépose. Voilà. Toujours dans le respect de la mécanique. Et hop. Voilà. Bon bah le réglage aux petits oignons est fait, hein. Y'a plus qu'à remonter. Bon bah voilà, vous savez comment faire un réglage carbu aux petits oignons. Allez, bon week-end!